Gagnon dans le studio. Il a accepté avec générosité de venir nous interpréter une chanson de Lenny Kravitz avec Fly Away. Voici Jean-François Brault. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. And fly above the trees, over the seas, and all the creeks, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where they could just be us. Let's fade into the sun, let your spirit fly, where we are one, just for a little fun. Là, tel que vous le voyez là, Jean-François Brault arrive, ma foi, il y a quelques heures, de la Roumanie. Oui, on est allé, moi et Ariane Moffat, on représentait le Québec et le Nouveau-Brunswick pour un sommet de la francophonie là-bas. Comme Ariane Moffat disait, la Roumanie, pour décrire ça, c'est comme Paris sur le burn-out. OK. Et ça fait juste 15 ans que c'est un pays démocratique, qui sont plus sous le régime communiste. Et 15 ans passés, ils mangeaient un pain par jour avec un ticket. Il allait là, au dépanneur du coin, avec un ticket par jour pour un pain, de la viande une fois par mois. C'est assez rough. Et ça m'a beaucoup intéressé, toute cette notion-là d'histoire-là du pays. Puis j'ai appris beaucoup. Et pendant que tu étais là-bas, as-tu profité? T'es-tu sorti un peu? T'as-tu vécu des roumaines? Je suis comique. Mais même si, je pourrais pas dire ça là. Non, mais vraiment, non. Non? Non. Mais il y a l'équivalent de Shakira qui était notre guide, donc on était bien servi. Oui, absolument. Ah bon? Oui, on était absolument. Parce que ça doit être un pays qui fête quand même, quand tu étais... On n'a pas vécu ces moments-là, mais il paraît qu'eux, 3 heures du matin pour fermer un bar, ils n'ont jamais vu ça. Ça va jusqu'à 10, 11 heures le lendemain matin.
Okay. C'est depuis 15 ans, là, c'est comme une fête. Tu viens de lancer un album parce que tu parles de la chanson « Ainsi soit-il » qui monte et qui monte dans les palmarès présentement. C'est une chanson tirée de cet album-là, « Exposé ». C'est tout frais. Ça fait un mois et demi qu'on a sorti l'album. Je suis très fier. J'ai écrit les 12 chansons sur l'album. En musique, il y a eu beaucoup de belles collaborations sur les paroles. Et j'en suis très fier. C'est un nouveau Jean-François Brault après Don Juan. Ça donne ça. J'avais hâte de sortir mes choses. Et là, il y a un vidéoclip qui accompagne « Ainsi soit-il ». Oui. On a le visuel présentement, où il y a beaucoup d'artistes qui font leur apparition, entre autres ta blonde, Marie-Ève Janvier. Oui, pourquoi ce concept-là? Parce qu'elle n'avait rien à faire cette journée-là. Non, c'est pas... non, c'est pas... Tu as dit bon, ben, coudonc, je vais les inviter. Non, Geneviève Borne, Marie-Ève Janvier, Manuel Auger, y a plein de gens, Gabriel Les Trois Maisons, tout ce monde-là. Il y a des amis de Don Juan qui sont venus aussi. C'est une chanson avec un message quand même assez lourd, positif aussi. Je parle quand même de jeunes kamikazes de 14 ans qui vont se faire exploser dans des cafétérias. Il y a les tempêtes du tsunami qui nous recrachent, la planète qui nous recrache ces tempêtes sur le dos. Et j'avais envie de faire endosser ça par des gens qu'on connaît à la télévision. Et Geneviève et Marie-Ève et tout ce monde-là sont venus faire gentiment leur tour pour appuyer ce geste. Tu as une très belle chanson sur ton album qui s'appelle « S'il fallait », qui parle de ta double personnalité, parce qu'on ne sait peut-être pas, mais tu as une double personnalité. Absolument. Toi et Don Juan. Oui. OK? Lequel des deux est tombé en premier en amour avec Marie-Ève, toi ou Don Juan? Je vais dire Don Juan. Je te dirais, bon, moi et Marie-Ève, on se connaît déjà depuis longtemps, depuis Notre-Dame de Paris. Et là, sur le spectacle de Don Juan, toujours très professionnellement. Marie-Ève est plus professionnelle que moi là-dessus. Oui. Toujours très travail, puis professionnel, tout ça. Pour le spectacle, on a eu 2-3 mois de répète. Et là, Don Juan embrasse Maria et tout ça. Puis là, ben tranquillement, pas vite, il y avait... Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné... Ça a commencé avec des petits becs comme... C'est ça. Oui, on peut la voir d'ailleurs, Marie-Ève. Oui, voilà. Ah, vous faites tellement un beau couple. Avec ma casquette Yamaha. Là, ça a commencé. Ça a commencé avec des baisers moins chaleureux, puis de plus en plus chaleureux. Puis c'est cute, hein, comme histoire. C'est un vrai conte de fées. C'est magnifique. D'ailleurs, est-ce que cet été, les gens qui voudraient te revoir en collant peuvent le faire? Absolument. Tu seras de nouveau Don Juan. Et il y en a plein. Et tu seras de nouveau Don Juan cet été? Oui, à partir du 30 août jusqu'au 10 septembre, on est au Centre Bell. Et moi, tout de suite après... Je commence sur ma tournée exposée. On a déjà presque 30 spectacles de bouquets. Ah bon? Donc, et on peut voir les dates sur le site internet qui s'en vient, www.jfbrault.com. Allez-y pas là, il n'est pas arrivé. Non, pas tout de suite. Là. On est en train de refaire la face d'un lifting du site internet. On y refait la face ici? Et c'est absolument. Et ça va être disponible dans la prochaine semaine. Est-ce que dans tes spectacles... pour exposer ta tournée ou Notre-Dame de Paris ou tout ça, tu continues d'humidifier ta voix. Il humidifie sa voix de façon très particulière, hein? Oui. Oui, absolument. Oui. Je peux pas croire, je vais dire ça. Oui. Avant d'entrer sur scène, je me lave les mains et là, je me mouille les doigts et je me mets les deux doigts dans le nez en sniffant de l'eau. Mais non, mais c'est les voies... c'est humidifier les voies respiratoires vite faites. Ah, OK. Vite faites, là, de l'eau tiède, chaude, là, puis là... Puis là, le monde, il pense que je prends de la drogue, mais c'est pas ça. C'est pas ton genre. Pas du tout. Hey, Jean-François, merci beaucoup. Et on rappelle aux gens que Exposé... est en magasin, là, et on s'en va le montrer aux gens à partir de l'automne. Merci beaucoup, Jean-François Brault. Demain, on n'a pas toute la soirée. Il paraît que tu as une peur bleue des mascottes.